Et donc maintenant, Fabio Galimberti, qui fait partie de la SLP. Allora, grazie, provo a stare nei 5 minuti. Allora, ho intitolato l'intervento «Qual è il tuo rapporto con la verità?». Siamo stati invitati a parlare del nuovo ordine simbolico e del... se vado più piano, poi non sono i 5 minuti. E della sua tirannia della trasparenza. Dei nuovi imperativi sociali, dire tutto, rivelare, confessare, fare outing, coming out. Insomma, tirare fuori la propria verità. Oggi sembra obbligatorio esibire la propria intimità, mostrarsi nei propri godimenti segreti, fare luce sulle proprie tendenze più nascoste. I sembianti cadono come foglie di fico sotto i colpi dello smascheramento e della rivelazione. Ognuno di noi, in qualche modo, è chiamato a rendersi visibile. La pubblicità di sé sembra essere un fondamento del legame sociale odierno. Dire la verità non solo sarebbe possibile, ma si impone anche come un dovere morale. E tuttavia si pone una questione: a chi ho il dovere di dirla, la verità? Benjamin Constant scriveva: ho il dovere di dirla a chi ne ha il diritto. La domanda diventa dunque: chi ha il diritto di ascoltare la mia verità? È la domanda che Clotilde Le Guil ha posto a proposito del rapporto tra testimonianza di Pass e scuola. Ma più in generale, per la psicoanalisi, è una domanda decisiva perché tocca il concetto di transfer. Come analizzante scelgo qualcuno che per me ha il diritto di ascoltare la mia verità. Lo faccio per amore. Ma non lo faccio per amore dell'umanità. Per l'ordine simbolico odierno, invece, sembra che tutti abbiano il diritto di sapere ogni cosa di ognuno. Il mondo sta diventando un unico grande confessionale. La nostra epoca ha rovesciato l'ingiunzione di Sant'Agostino, noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non andare fuori, rientra in te stesso, è all'interno dell'uomo che risiede la verità. Affermazione con la quale Sant'Agostino raccoglieva la saggezza dei secoli precedenti, soprattutto la saggezza greca, per la quale una persona poteva essere giudicata in base al proprio rapporto interiore con la verità. Credo che un simile giudizio valga anche per il discorso analitico. Lacan afferma nel Seminario VII che l'unico giudizio etico possibile risponde alla domanda: hai agito conformemente al desiderio che ti abita? Questa domanda può essere detta anche in questi termini: in che rapporto sei con la tua verità? È un rapporto di coincidenza, manifestazione, incarnazione? Per la filosofia è stato da sempre così. Per Socrate, ad esempio, vita e verità sono saldamente congiunte, con effetti anche letali, perché c'è qualcosa di mortifero, di sacrificale in questa congiunzione. E come ci insegna Lacan, quando nella filosofia c'è in gioco un sacrificio, c'è in gioco qualcosa di sadico, possiamo sempre contare su Kant, per il quale è inutile e immorale porsi troppe domande. La verità dobbiamo dirla anche se nuoce a noi e agli altri, perché è il primo anello della catena sociale. Ebbene, per la psicoanalisi credo non sia esattamente così. L'esistenza di un soggetto va oltre il dicibile. Un'esistenza come la verità si può solo semidire. Dunque, per concludere, credo che alla psicoanalisi spetti il compito di insistere sulla disgiunzione tra vita e verità e non solo sul loro annodamento, perché un soggetto si rapporti alla vita come al proprio reale al di là della verità, perché, e concludo davvero, forse oggi
La spinta alla confessione non è altro che l'ultima astuzia della rimozione. Grazie. Merci, merci à vous. Avant que Alexandre Stevens prenne la parole, je voudrais demander à Marie-Hélène Brousse et à Ricardo Seldes de venir nous rejoindre. Alexandre Stevens, qui donc fait partie de la NLS. Voilà. Au siècle passé, il y avait les standards IPA qui prétendaient régler le maniement de la cure. Lacan les a détruits en proposant les variantes de la cure, l'acte analytique hors standard. Au XXIe siècle, il y a déjà un nouveau type de standard. Il ne concerne plus la direction de la cure, mais sa visée. C'est ce que Jacques-Alain Miller avançait à Comanda Touba. Les sujets sont invités à produire les signifiants de leur propre évaluation. Ajoutons-y l'idéal de transparence, tout autant d'actualité, et ce serait la mort de la psychanalyse. Gageons d'ailleurs que ce sera effectivement le cas pour l'IPA, étouffé entre ses standards et l'exigence d'évaluation de la visée des cures. Elle mourra, heureuse peut-être, dans les bras cognitivo-comportementalistes. Au XXIe siècle, seule la psychanalyse lacanienne a une chance de sauver le ratage. Dans une institution de soins au sein de laquelle je travaille, le Courtil, lors d'une récente inspection par la Sécurité sociale, il nous a été dit ceci. Vous travaillez de façon originale, avec la psychanalyse. Soit, vous acceptez des cas difficiles, et c'est très bien. Mais il faudrait faire un effort dans deux directions. D'abord, on devrait mieux comprendre ce que cela produit. Vous devriez dire dans des mots simples et objectivables un projet cas par cas pour qu'on puisse évaluer ce qui est produit au bout du travail, du type autonomie, scolarité, etc. C'est tout de même clairement nous demander qu'au bout du compte, le sujet ait produit des signifiants qui font partie des standards de l'évaluation. La deuxième chose qui nous a été dite, c'est qu'il faudrait plus de transparence à l'égard des parents. Le paradoxe est que ceci nous a été dit à propos d'une mère franchement paranoïaque. Aucune raison de se soumettre à ces exigences sans les tordre. Il ne fait pas de doute que l'ordre symbolique au XXIe siècle demandera ces comptes-là à la cure psychanalytique aussi bien. Donnez-nous des signifiants qui permettent un calcul valable pour tous et dites-nous cela dans la transparence. Quelles conséquences en tirer pour la direction de la cure au XXIe siècle ? L'accent mis par Jacques-Alain Miller sur la passe, la cure, les témoignages singuliers, c'est-à-dire sur la manière dont chacun y fait avec sa faille subjective, nous donne la voie d'une réponse. À mesure que la société cherche à fermer la faille subjective, le travail de la psychanalyse devra toujours viser davantage à maintenir le pari sur le ratage comme point d'orientation. C'est ce qu'ont démontré les AE que nous avons entendus dans ce congrès. Mais l'AE, une fois nommé, n'efface pas ce trou produit par le tuteur désormais manquant. J'ai eu, je prends un titre d'exemple, le plaisir de commenter aux dernières journées de l'école le texte présenté alors par Dominique Laurent, AE donc, qui a fini son exercice de transmission depuis quelques années déjà. Eh bien, allez relire ce texte, vous verrez qu'à sa manière différente de celle des autres, elle a parfaitement témoigné des effets que produisent toujours cette faille au cœur de l'humain. Le nom du père est toujours un peu plus mort en ce siècle. La psychanalyse n'a pas à le ressusciter. J'ai entendu, comme vous d'ailleurs, des psychanalystes à l'occasion, promouvoir un retour aux idéaux passés. Je pense pour ma part qu'il vaut mieux laisser le soutien du père au triomphe des religions et proposer à la psychanalyse de montrer toujours plus la faille
que le père ne recouvre plus. Pour le dire autrement, nous n'avons pas pour tâche de maintenir les semblants connectés au social, mais bien de saisir les semblants connectés à la jouissance. Je vous remercie. Alors, nous avons demandé à Marie-Hélène Brousse et Ricardo Cerdès de nous rejoindre parce que l'un et l'autre traitent la question du surmoi et du discours du maître. Marie-Hélène, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Marie-Hélène fait partie de l'école de la cause freudienne. J'ai été contactée récemment par un journaliste pour répondre à un livre récent qui cherche à détruire Freud et la psychanalyse. En réfléchissant à cette réponse, en l'écrivant, dans la recherche d'un décalage nécessaire par rapport à son auteur, il m'est apparu clairement ce que je vais vous dire ici, qui cristallise différents éléments développés depuis longtemps par un certain nombre d'entre nous, et en particulier Jacques-Alain Miller, Éric Laurent. À partir des années 30, l'ordre symbolique a définitivement changé. Sans que ce changement se soit manifesté immédiatement dans le champ des institutions humaines ou même des discours. Au fond, je fais du fascisme le début. Rétroactivement, on peut dire que le point de capiton de l'ordre symbolique avait cessé d'être le nom du père. Donc le Führer, c'est pas le nom du père. L'ordre symbolique ne répond plus ni au 1 fondant une hiérarchie, ni au principe de nommer. Il est soumis aux multiples, les saints, disait Lacan, au sens les saints des abeilles, et à la fonction, définie en termes de gestion chiffrée ou de petites lettres d'équation. En tant que discours, il n'a pas cessé pour autant de constituer un mode de jouir ou une indication du mode de jouir. Pour faire vite, disons que les forces de l'idéal du moi se sont progressivement effacées au profit de celles du surmoi. Lacan prédisait cela très précisément dès son texte « La psychiatrie anglaise dans la guerre ». Il parlait des puissances sombres du surmoi et des moyens d'agir sur le psychisme. Son enseignement en a donc accompagné la montée au sens d'en élucider les mécanismes, mais aussi d'y constituer des réponses adéquates. Mon hypothèse est donc que le S1 du discours du maître d'aujourd'hui est l'impératif surmoïque, que le S1 c'est le jouissance obligatoire. Impératif de jouissance contre loi de la parole. C'est donc le temps des inquisiteurs, l'époque du faire croire, make believe, articuler un nouveau statut de la vérité, dévalorisé comme dire, dans son statut de dire, et ravalé par la notion de propagande. La bataille est donc, comme dans la cure analytique, entre l'inconscient et le surmoi, ce qui exige un brouillage, un autre réglage des repères pris dans la première et la deuxième topique freudienne. Jacques-Alain Miller, à l'occasion des journées d'automne, qui ont été un événement, soulignait la puissance de mobilisation et de désir de la première topique, certes réinterprétée par tout l'enseignement de Lacan. Je crois que on peut voir aussi cette puissance de mobilisation du désir dans l'effet qu'a eu sur chacun de nous les témoignages des AE du Congrès. Donc je vous propose la chose suivante. Les questions auxquelles nous aurons à répondre dans ce prochain congrès me semblent les suivantes. Premièrement, quelles sont les conséquences symptomatiques de cette montée au zénith du surmoi
et de la chute de l'idéal dans le traitement du réel? Deuxièmement, quelles modifications entraîne-t-elle dans la cure et dans la théorie analytique sur le statut de l'inconscient, par exemple? Et troisièmement, quelle force s'agit-il de mobiliser dans ce nouvel ordre symbolique contre les forces obscures du surmoi? Merci Marie-Hélène et merci aussi pour ces questions. Je voudrais, avant de donner la parole à Ricardo Saldes, je voudrais demander à François Le Guil, à François Le Guil, pardon, et Fabien Napastek. Et à Fabien Napastek de nous rejoindre. Ricardo Saldes, je te donne la parole. Lacan a presentado el superyo como una función eminentemente simbólica, el resorte del orden simbólico. Es la ley y al mismo tiempo su destrucción. En consonancia con esta caracterización, los psicoanalistas han advertido la división fundamental del sujeto. Para Lacan, el goce es un bien como valor, pero para el sujeto está separado de su bienestar. Un analizante, socio minoritario en una empresa de informática, decide que en breve instalará un programa súper secreto, nada sofisticado, que le permitirá introducirse en las computadoras de sus empleados para detectar e impedir la pérdida de tiempo en chats y envíos de mails personales. Al preguntarle por las causas de esta decisión, relata que este empuje al saber no se debía a que se hubieran detectado grandes disfuncionamientos ni descensos en la productividad. La razón que lo anima es la previsión que siempre será posible un aumento en la productividad, es decir, aún un poco más. Es una idea correlativa del desarrollo de las nuevas técnicas empresariales, algo que, según él, está consignado en los textos. Cuando le formulo, no sin molestia, que quizás siguió un poco ciegamente las indicaciones de esa letra, se produce en él una vacilación. En esa ínfima brecha que se abrió, y en tanto se trata de un sujeto que sueña con una infidelidad imposible, le señalo que ese programa es el programa de su deseo de enterarse de la vida sexual de sus empleados. Había quedado arrastrado por una forma sugestionante del lenguaje colectivo. Lo embargó entonces un sentimiento de vergüenza que desplazó un poco la idea obsesionante de controlar el goce del otro. Luego de un tiempo me enteré, para mi sorpresa, que convenció a sus socios de no poner en marcha el programa panóptico, al menos por el momento. En cierto sentido, le ha podido ser infiel a ese mandato superyoico. El superyo es la voz de la conciencia, una voz, en primer lugar, y bien vocal, y más y sin más autoridad que la de ser la voz estentórea, plantea Lacan en el informe de Daniel Lagash. La fetichización de las cifras se filtró en este caso
en el falso argumento de la mejora en la eficiencia, que denunció para sí la influencia del discurso imperante. El superyo toma diferentes formas. Una es la censura. Y agregamos, nadie está a salvo de transformarse en su vehículo. El superyo es una dimensión que compromete al sujeto en su singularidad. Y en tanto se realiza en una lengua compartida, produce una alienación extrema en lo simbólico. Si se trata de la ley de la palabra, el superyo es la ley, pero no la pacificadora, socializante, sino la ley insensata que entraña un agujero en la justificación, una función que una vez desencadenada no conoce límites porque empuja al goce. Lacan propone al final de su observación al informe de Lagash una nueva ética que opone un silencio a esa voz. Es el camino de la charla palabrera que propone el discurso analítico por la vía del deseo. No hacemos prevención, pero darle la posibilidad a los sujetos de hacerse responsables de su goce puede ser un modo hormiga de vérselas con el otro efecto, el efecto mariposa, incalculable a partir de esos primeros signos del goce deslocalizado y contagioso que produce el simbólico del siglo XXI. A 5 minutos y 10 segundos me callo. Eso es la demostración en acto de lo que es saber hacer con el superior. 5 minutos y 10 segundos. Ouais, mais il avait mis son iPhone, le chronomètre de son iPhone pour être dans les temps. Pantalla también. Et on se demande quel sera l'avenir des entreprises si on calme tous les surmois. Mais on verra ça plus tard. Alors nous avons demandé à François Le Guil et à Fabiane Napastek de nous rejoindre parce que tous les deux nous parlent du symptôme. François Le Guil va prendre la parole, il fait partie de l'ECF. Dans le vacarme de la publication du dernier factum contre Freud, un éditorialiste d'un grand journal national évoque l'indéniable déficit thérapeutique de la psychanalyse. Le reproche est aussi vieux que la découverte freudienne. Il est en vérité anachronique, parce qu'il s'inspire d'une conception obsolète de la réalité des traitements modernes. Freud et Lacan n'ont pas opposé la thérapeutique et le désir d'augmenter les savoirs. Ils ont plutôt démontré que l'une et l'autre prenaient leur part d'une dialectique beaucoup plus subtile. Il n'est pas sûr cependant que le débat soit là, soit celui-là. N'est-il pas plutôt celui que note Lacan dans sa proposition sur la passe ? L'authentique révolution scientifique de la médecine est une révolution thérapeutique qui modifie la temporalité de la clinique, puisque l'on sait guérir désormais sans respecter l'évolution naturelle d'une pathologie. En modifiant le temps, on change l'être. En modifiant le Zeit de la clinique, on change le Sein. Lacan relève qu'il sera de plus en plus difficile de savoir, je le cite, ce qui rend ou non médical un enseignement. Autrement dit, plus le savoir clinique augmentera, moins il permettra de cerner les limites de son objet. C'est le lot commun de la science qui sait ce qu'elle peut et non pas ce qu'elle veut. Mais quelles que soient les mutations imposées par la révolution thérapeutique, la clinique médicale raconte encore le miracle d'une cohérence qui puise dans la disgrâce d'une souffrance les semblants capables d'en indiquer la cause. La modification des conditions symboliques
du rapport que la psychanalyse entretient avec cette tradition est ailleurs que dans cette scientificité croissante des moyens employés. Elle est dans le naufrage du lien que nous entretenions avec elle par l'intermédiaire de la psychiatrie dite classique. L'édification des savoirs internationaux prône un athéorisme qui est une incitation à la débauche de l'irresponsabilité d'une destitution subjective redoublée. Les recommandations officielles de multiplier à l'envi les diagnostics, d'échanger les items les uns avec les autres, trahissent les intentions de ceux qui veulent installer ces nouveaux repères. Intentions de non-dupes déclarées qui transforment leurs errances en justification de leurs prérogatives. Intentions de non-dupes revendiquant sans vergogne la vacuité et la vanité des semblants qu'ils sélectionnent. Leur enjeu n'est pas tant de gommer la différence entre névrose et psychose que celui de supprimer l'hystérie et la paranoïa, c'est-à-dire deux modalités essentielles du rapport du sujet au savoir. Modalité du défi qui sème le doute sur sa vérité. Modalité de la méfiance qui soupçonne le profit caché derrière le prétexte de la connaissance. Dans un cours de l'automne de l'année 1992, Jacques Alain Miller enseigne que la position du non-dupe est pré-scientifique. Ainsi, ces nouveaux classificateurs avouent sans phare que leur dessein est d'obtenir non pas une lumière originale, mais une fidélité interjuge, élevant leur caste à la compacité de l'en-soi du salaud de Sartre. C'est pourquoi nos politiques seront sans doute conduites à avancer que s'il existe une biologie lacanienne, il existe tout autant une conception lacanienne de la pharmacopée, de ses justes conforts, de son usage et de ses vérifications. S'attaquer à la légalité des prescripteurs pour transmettre la légitimité de nos avis et soutenir l'hypothèse de l'inconscient dans les thérapeutiques contemporaines. Ce sera une des manières de participer à un sacre du sujet. Avant de donner la parole à Fabian Napastek, qui fait partie de l'EOL, je voudrais demander à Anna Aromi, Carole Devambrechy-Lassagna et Carmen Cunha de nous rejoindre. Et je donne la parole à Fabian. Freud despertó a sus contemporáneos haciéndoles creer que los síntomas tenían un sentido. Sin embargo, uno de los cambios que señala Lipovetsky a partir de la hipermodernidad es que los síntomas han perdido los viejos sentidos. A mi gusto, lo dice con una especie de añoranza de los síntomas de antes. Más bien piensa que en la actualidad hay una banalización de los síntomas por la pérdida del sentido, lo cual lleva a un fanatismo del síntoma, fanatismo que puede ser definido como llevar algo al punto de una causa única y última sobre la cual en el extremo ya no hay sentido alguno. Sin embargo, sabemos todos que Freud no se ha quedado solo con los sentidos de los síntomas y pensaba que en el centro del mismo hay un núcleo de goce al cual no duda en llamar el núcleo tóxico del síntoma. En consonancia con esto, en este congreso se ha mencionado al síntoma desnudado. De hecho, la clínica contemporánea del no todo, como la señala Miller, muestra que la trama que daba envoltura al síntoma pierde su lugar y los síntomas se presentan hoy al natural.
como lo señala Lacan. Frente a esta situación, Eric Laurent se preguntaba cómo seguir siendo el partener que tenga posibilidades de responder en la cura frente a estos síntomas sin sentido. Tenemos allí una investigación por hacer para ver cómo se responde cada vez a este fanatismo contemporáneo sin la herramienta del antiguo orden del lenguaje. ¿Cómo nos las arreglamos en esta época para ser el partener de sujetos que son consumidos por un síntoma sin sentido alguno y que no se dirigen al otro? ¿Cómo desintoxicar de ese síntoma contemporáneo? Al menos, frente a este estado de cosas, tengo presente que Freud comparaba al analista con el químico y no dudaba en equiparar el dispositivo analítico con una especie de laboratorio donde se produce un síntoma artificial. Si ustedes quieren, un síntoma sintético, al cual se le agrega en su naturaleza autoerótica el lazo con el otro. El término analizar, Freud lo tomaba de la química, y uno podría decir, siguiendo este razonamiento, que hay una química del psicoanálisis. Se dice comúnmente que una pareja tiene química, se dice que tiene química para decir que se llevan bien en la cama como algo inexplicable. No se sabe por qué, quizá en la vida no pueden ni verse, pero sin embargo tienen química. Sin embargo, Freud y Lacan buscaban la química que hay entre el sujeto y el síntoma. Buscaban qué es lo que los liga de una manera tan especial e inexplicable. Pues bien, tendremos 2 años de aquí al próximo congreso para verificar cómo cada analista se las ha arreglado en esta época y en su pequeño laboratorio para introducir en esa esencia básica del síntoma un elemento que permita hacer de él un uso nuevo. También tenemos el laboratorio del pase, que nos puede orientar para ubicar la manera que los análisis permiten encontrar solución a síntomas que han perdido su sentido, ya no por la época, sino en el recorrido mismo del análisis. A partir de esto, quizás podamos responder la pregunta de Freud cuando se interrogaba por la diferencia entre un analizado con alguien que nunca fue a un análisis. Muchas gracias. Donc, le psychanalyste chimiste. J'ai demandé à nos 3 collègues femmes de nous rejoindre, puisque toutes les 3 ont prévu de traiter de la question des femmes. Et je vais demander à Anna Romy de prendre la parole. Elle fait partie de l'ELP. Estos días hemos oído decir a una E: a las mujeres no hay que tratar de entenderlas, hay que amarlas. Entonces me he preguntado si esto podría valer también para los psicoanalistas. ¿Y de qué manera unas y otros van a hacerse amar, van a hacerse desear en el siglo XXI? El siglo XXI se nos presenta regido por una lógica de homogeneización que yo llamaría incluso de homosexualización, con 2 M's, creciente. Homosexualización en el sentido de exclusión de la otredad, de tiranía de lo igual. Como Lacan decía, escribiendo homosexual con 2 M's, es todo aquel o todo aquella que no se interesa por lo femenino. Es el reino del goce autoerótico. Pero este goce autoerótico está destinado al fracaso.
no solo porque el goce está prohibido al ser que habla, sino porque en este punto hay un elemento que dificulta, que estorba, el síntoma. El síntoma abre el circuito del goce al incluir al otro, aún a su pesar, porque el goce del síntoma querría prescindir del otro, pero no puede. El síntoma, en tanto goce, es autoerótico, pero no mudo, no sabe callar. Así, lo hetero del síntoma hace obstáculo a lo homo del goce autoerótico. Incluso ahora que tenemos que vernoslas en la clínica con síntomas que prescinden de la prohibición, que se presentan sin tragedia, sin drama. Incluso ahora el síntoma transporta el germen de lo heterogéneo. Es la marca de que cada síntoma es la respuesta singular de un sujeto frente al agujero traumático de la no proporción sexual, la marca de lo real. La posición femenina y la posición del analista tienen en común su proximidad con lo real de la inexistencia, de un significante que los definiría. Son posiciones no acabadas, no escritas en el otro. Corresponden en este sentido a lo que no existe, lo cual no significa una indefinición, sino más bien una llamada a la constante invención. Por esto, sostener una de estas posiciones depende de la producción de algunos huecos. Se necesitan porosidades en el otro, aprovechar las que ya existen o hacer existir de nuevas. Pero en todo caso, se necesita habitar las fallas de un orden simbólico que en efecto ha cambiado. ¿Qué significa esto? Significa que sostener una posición que implica el no todo, que barra al otro, depende de saberse hacer síntoma de este otro, de quererse ubicar como síntoma para este otro. En efecto, hacerse síntoma permite pasar de lo que no existe a lo que existe, con un guión, es decir, a un modo de existencia que necesita del deseo, de la invención y de la perseverancia para cobrar vida. No, terminado. Ahora, enseguida acabo. Tengo 5 minutos. Ahora bien, para que este cobrar vida se realice, hace falta, como dice Eric Lorán en el Journal du Congrès número 9, ocupar el lugar de partener con posibilidad de responder, no solamente en la cura, sino también en la ciudad. Entonces, ¿en qué consistiría este responder? En mi opinión, este es el reto entusiasmante del futuro de la AMP y de su banco de pruebas, la Escuela UNA, el reto de la elaboración colectiva de este punto. Por esto también estoy convencida, y con esto acabo, de que no podemos prescindir de la voz de cada uno. La voz de cada uno, que es el modo propio de responder, no sin el síntoma. Cada uno respondemos, lo sepamos o no, desde ahí, a los impases de la civilización. En este sentido, cada uno se autoriza de su síntoma como modo de gozar y como modo de decir. Me parece que de ahí sale la voz que puede ser escuchada. Se hizo muy bien escuchar y la sala se hizo su partener, que sabía responder perfectamente en tiempo. Ahora... Il faudrait que Paolo Siqueira rejoigne l'accueil, on le demande. Carole devant Brochy-Lassagna, à la parole, fait partie de l'ECF.
Merci. Alors, l'ordre symbolique, tel qu'il est pensé dans la psychanalyse, suppose un autre avec un grand A et fondamentalement une dissymétrie. Dans cet ordre symbolique, les sujets ne sont pas tous pareils. Dès les débuts de sa théorie, Freud pose que certains sont porteurs du phallus et d'autres pas, et qu'à partir de là s'ordonne la différence des sexes et de ce que Lacan appellera ensuite le non-rapport sexuel. Cet ordre symbolique est attaqué aujourd'hui au nom des ordres symboliques au pluriel ou du désordre symbolique exigé, en un seul mot, désordre, et ceci au nom du multiple, de l'égalité et de la liberté dans l'usage des semblants, ceux du sexe en particulier. Ce désordre est-il branché sur ou débranché d'un réel? C'est la question actuelle. Alors que l'ordre symbolique ancien avait rapport avec le père et le phallus comme ce qui ancrait le symbolique dans le réel, l'époque actuelle laisse apparaître l'ordre symbolique comme inconsistant, incluant un manque insituable. À partir de là, il reviendrait à chacun de construire son rapport au symbolique. L'ordre symbolique, aujourd'hui et demain, pour la psychanalyse, est autre. Il l'est en tant qu'il est connecté au non-rapport sexuel comme à un réel. Dans la psychanalyse, nous pensons que l'ordre symbolique est connecté au réel. Il ne s'approche qu'à partir d'une fiction, cet ordre symbolique, dans le rapport que nous avons à l'inconscient et aux symptômes, à partir d'un moment singulier, perceptible dans un témoignage, comme on l'a vu pendant ces journées de l'AMP. Ce réel, c'est aussi l'impossible du groupe analytique, mais aussi bien du lien social. En partant de cet impossible, et non en l'oubliant, on peut recréer un ordre symbolique et un autre aussi bien. Un ordre qui est celui d'aujourd'hui, qui n'est pas immuable, qui n'est pas la reprise de l'ordre symbolique antérieur existant, ni la simple copie de l'ordre économique. Nous sommes dans un devoir constant d'inventer cet ordre. Il me semble que les sujets s'adressent comme du temps de Freud, tôt, je veux dire alors qu'ils sont jeunes, à la psychanalyse, qui est pensée par eux à l'heure actuelle davantage comme ce qui peut permettre de se séparer d'un trop plutôt que de combler un manque. Nous sommes à l'époque des objets plus de jouir et non du manque phallique. Par exemple, il y a peu d'écho dans les travaux actuels du Penny Snide, dont on a fait si grand cas et qui a fourni des débats passionnés sur la question de savoir quel est le rapport des femmes au phallus. Actuellement, la question se pose pour tous, hommes et femmes, d'un phallus posé comme inconsistant. La question du complexe de castration se pense dans d'autres termes à partir de là. La dernière demande d'analyse qui m'a été faite émanait d'une jeune femme manifestement brillante qui hésitait entre deux hommes, celui qu'elle venait de quitter et celui qu'elle venait de rencontrer. Lequel choisir quand les critères ne sont pas très clairs et la satisfaction du corps peu recherchée. Rapidement, il est apparu que cette hésitation en recouvrait une autre, bien plus centrale pour elle, celle du lieu qu'elle devait choisir pour sa prochaine affectation professionnelle. Il n'y a pas de métaphore ici. Elle n'hésite pas entre deux affectations qui ne seraient que l'image de son hésitation entre ses deux amants, comme le dit le théâtre classique français. Je n'ai pas retrouvé la citation. Elle a tout, et sur le plan professionnel, et sur le plan amoureux, et elle fait appel à la psychanalyse comme à ce qui pourrait l'orienter dans un monde qui lui apporte à profusion ce qu'elle peut souhaiter et qu'il s'agit ici de décompléter. À cet égard, nous sommes loin de l'héroïne que met en scène le film
de Sam Mendes, Les Noces Rebelles, qui met en scène un jeune couple dans l'Amérique des années 50, un jeune couple dont le rêve commun repose sur un aller à Paris. Et ce rêve va venir dramatiquement en opposition dans ce film à la loi du père et du phallus. Pour ma patiente, pas de drame, pas d'opposition au phallus, mais il faudra voir comment le sujet pourra inventer un ordre symbolique dans lequel, comme le disait Éric Laurent, il lui sera possible de vivre. Alors, Carmen Cugnat va terminer la série. Carmen Cugnat va terminer la série. Elle, ce n'est pas justement l'hésitation entre deux, c'est vraiment un. Comment les femmes se font pour... Cada vez más acuden a la consulta mujeres cuya queja apunta a la soledad, pero acompañadas con el sintagma todos los hombres son iguales. En su búsqueda de partener, porque mi pequeña estadística no se percibe una renuncia al respecto, ellas suelen acudir a las redes sociales y en muchos casos eso relanza sus sueños. Se suele decir que esas redes permiten la reconexión porque el cuerpo, los cuerpos, pueden sustraerse. Ahí ellas no necesitan, dicen, disfrazarse para mostrarse. Pero cuidado, cada vez más también el encuentro en la red, que parece hacer existir la relación sexual, trae consigo el estrago. Estrago express. Así lo llamó un analizante que, frente a la posibilidad del encuentro, se lanzó a poner en la red sus pensamientos más íntimos que cuidadosamente había elaborado bajo la forma de ficciones, ficciones que venían a suplir, en efecto, una relación desfalleciente con el falo y con la castración. En el momento álgido de los intercambios, ella encontró la gran satisfacción. Y en el momento siguiente, una angustia sin medida. Y es que, sin duda, el cuerpo está presente en esos intercambios. El cuerpo como sustancia gozante. Ese cuerpo que se goza y que un sujeto histérico puede rechazar porque intuye que es algo muy desmedido. En un análisis se trata de encontrar una relación con ese cuerpo mediatizada por la palabra. Una palabra que dé la medida, no toda. Hemos podido escuchar en los últimos testimonios de AE, sobre todo en los testimonios de mujeres, la necesidad de que en algún momento el analista responda con su cuerpo, el suyo, lo haga presente. Un gesto de acogida, una sonrisa a destiempo, una mirada distraída, un empujoncito a la salida... vale más que mil palabras. ¿Cómo tomar esos signos del analista que en efecto relanzan el deseo del analizante? ¿Qué estatuto darles? ¿Se trata de una vuelta al lenguaje preverbal? No, esos signos tienen estatuto de acto. Y el acto analítico es siempre deudor de lo simbólico. El acto analítico está precedido por la palabra analizante. De hecho, esos movimientos del analista no son imprescindibles. A veces es suficiente que los movimientos de la paciente encuentren su lugar. En el caso que precede, es ella misma la que pide sentarse para volver a encontrar los bordes frente a una mirada apaciguante. A mi entender, esos signos cumplen dos funciones. Una, la de mostrar y conceder que no todo el goce pasa por la palabra, y esto para una mujer es un verdadero alivio. La segunda es para recordarla que eso está ahí y que por el momento el sujeto supuesto saber, lo encarna para ella. El analista del siglo XXI, a mi parecer,
va a tener ante todo la tarea de proporcionar el marco simbólico para dar un lugar a lo real de ese cuerpo, que los avances tecnológicos tanto desdeñan, por otras razones que la histeria. ¿O es el acto analítico el que permite que el goce de ese cuerpo resuene, o será la intrusión salvaje del protocolo electrónico, de las resonancias, del bisturí? En cuanto a la soledad, un analista digno de hacerse amar es aquel que viene al lugar de al menos uno que no entiende lo que ella tampoco entiende ni entenderá nunca, pero que no se desentiende, que lo acoge. Eso la puede orientar en sus elecciones. Je voudrais remercier chacun du tour de force qu'il a fait de présenter un point de vue clair, déterminé sur un point, et tout cela en un espace de temps aussi contraint. Je les remercie pour vous. Je voudrais en trois points dire ce qui m'a retenu et qui me paraît vraiment à conserver pour animer nos travaux qui vers le prochain congrès. Il me semble que chacun de ces petits exposés pourrait parfaitement entrer dans le silicète de ce qui va être le silicète du prochain congrès. J'ai retenu, au fond, dans la rubrique de ce que Jacques-Alain Miller appelle les succès de la psychanalyse qui lui reviennent. Au fond, l'écoute, la présentation de la multiplication des écrans, à la fois comme regard, mais aussi comme les écrans nous écoutent, transforment l'écoute en drogue. Et j'ai retenu aussi ce point de combien la généralisation de l'écoute radicalise la question « qui a le droit d'écouter ?» Ça radicalise la question du signifiant maître, c'est ou bien ce que l'on vous prescrit, ou bien a le droit d'écouter qui nous aimons. La trahison des idéaux qui laisse sur ce point le surmoi régner dans le discours du maître a été montrée de façon très prégnante. Au fond, à quoi s'ajoute la trahison des idéaux cliniques, puisque maintenant, on ne peut plus faire confiance au discours de la clinique pour produire des catégories fiables qui permettent de traiter un réel, donc notre champ. Alors, je laisserai ensuite une question, peut-être à chacun, mais ils ne pourront pas répondre, ils le feront peut-être par écrit. La question, finalement, il me semble que le fil rouge qui traverse les exposés, c'est qu'au fond, un ordre symbolique viable, un ordre dans lequel on peut vivre, est un ordre où il y a une place pour un nouvel amour, pour un mode de l'amour hétéro, au sens où il demande d'aimer ce qui est autre et non pas le même. Et la question se pose, bien entendu, dans l'homosexualité, puisque, comme Lacan l'a montré fort bien, la place de la femme est parfaitement éclairée par la position du sujet homosexuel, qu'il soit gay ou lesbien. Donc je les remercie tous, et nous essaierons de continuer avec eux à poursuivre la conversation sous d'autres formes dans la suite de la préparation du congrès. Et nous allons marquer une pause. Avant que vous vous leviez, il faudrait que Georges Chamorro, Estella Solano et Alicia Arenas Mauricio Tarab, Hugo Freda. D'accord. Después serán Jorge Chamorro, Estela Solano y Alicia Arenas, c'est après. D'abord,
Mauricio Tarab et Hugo Freda, qui vont parler du psychanalyste, font comme le nom du père instrument. Chacun à sa façon. Oui. Alors, une annonce là. Toutes les personnes qui sont invitées ce soir chez Paolo Siqueira, veuillez bien passer à l'accueil pour rencontrer Anne-Charlotte Gauthier de la commission d'organisation ou Marina Frangiadakis.